Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h en Guinée, bienvenue dans cette édition d'information, voici les titres. Le système informatique et sécuritaire de l'aéroport international Ahmed Sy Couturé a été officiellement inauguré par le ministre des Transports ce samedi. Les précisions, c'est dans ce journal. Les opérations de nettoyage initiées par le gouvernement se poursuivent à Conakry. Ce samedi, certaines communes de la capitale ont respecté cette journée à la lettre. Les Échos, c'est dans ce journal. Un jeune Guinéen du nom de Roger Loi, étudiant en mécanique générale à l'école régionale des arts et métiers de Sidiri, a fabriqué une voiture avec du matériel de deuxième main. Ce véhicule peut parcourir une distance de 80 km et a une capacité de réservoir de 20 litres d'essence. C'était tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue à la une de l'actualité. Le stationnement des véhicules à l'aéroport international Ahmed Sy Couturé de Conakry est désormais payant. Le prix est fixé selon la minute, l'heure, le mois et l'année. La mesure entre en vigueur à partir de ce 6 mai. Là-bas, un système informatisé et sécurisé y est installé. Le projet entre dans le cadre de la modernisation de la porte d'entrée du pays et d'accroître les revenus extra-aéronautiques. La cérémonie de lancement des opérations a été présidée par le ministre des Transports, Amara Bangoura, pour le compte-rendu. Le parking de l'aéroport international Ahmed Sy Couturé se modernise. Le système informatisé, sécurisé, installé vient répondre à plusieurs besoins, dont celui de la compétitivité, de l'accroissement des revenus extra-aéronautiques et de la facilité de confort aux passagers. Nous sommes capables de faire bien et mieux ce que nous voyons ailleurs. On est capable d'en faire aussi dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est un exemple concret que nous sommes capables d'avoir des infrastructures informatisées dans notre pays. Donc, informatiser cet endroit est vraiment un acte qui contribue à la modernisation justement de nos infrastructures aéroportuaires et qui marque un tournant aussi, on va dire, décisif dans le cadre du projet de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sy Couturé. Le groupe Homtech a exécuté le projet. Selon son directeur général, le système mis en place offre aux usagers 3 modes de paiement. Ceci dit, le système actuellement que vous avez visité d'ailleurs tient compte de 3 modes de paiement. Un paiement par ticket classique pour un abonné d'un jour qui arrive sur notre plateforme, de pouvoir aisément rentrer et avoir son véhicule sécurisé sur la plateforme et vaquer librement à ses occupations à l'intérieur, si c'est possible, de l'aérogare. Nous avons aussi le second mode d'entrée, de transaction, qui est lié sur un badge RFID. Ce sont des badges que nous avons pratiquement, qui sont acceptés par la distribution aujourd'hui, que nous avons capitalisé pour que les usagers, les Guinéens, puissent vraiment profiter de l'impact de la RFID. Et troisième volet d'identification d'entrée au parking, ça c'est l'innovation fertile qui est liée aux vignettes, c'est-à-dire sans contact à distance à plus de 8 mètres, vous avez une reconnaissance et transmission d'informations directement vers la plateforme qui reconnaît le compte, l'identité, le véhicule et l'ouverture de la barrière. Les attentes de la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport international Ahmed Sy Couturé sont multiples. Mais ce que nous recherchons, surtout, c'est la facilité, le confort de nos passagers. La facilitation dans les aéroports est une obligation. C'est même un critère d'évaluation. Pour dire que votre aéroport est performant, on regarde des critères comme la facilitation. C'est-à-dire un passager qui arrive sur la plateforme, jusqu'à ce qu'il prenne l'avion, ou quand il arrive de l'avion jusqu'à ce qu'il sorte de votre plateforme, quelles sont les difficultés qu'il rencontre? Les installations font partie. Le frais de stationnement est fixé selon l'heure, le mois et l'année. Les premières heures sont fixées à 10 000, un coût régressif à partir de la troisième heure. Juste, Amara Bangoura, les coûts de stationnement de véhicules ne sont pas du goût des taximètres évoluant dans l'enceinte de l'aéroport international Ahmed Sy Couturé. Il demande à la direction la diminution, voire l'annulation du tarif de stationnement mensuel. Suivez. On a trouvé que ça, c'est trop élevé pour nous. Oui. Parce que notre condition de travail est un peu difficile. Pourquoi je dis ça? Non seulement d'abord, vous connaissez l'aéroport est 24 sur 24, mais les vols commencent à partir de 13h, 14h. Et le dernier vol, c'est à 0h01. Vous voyez?
Donc, dans ça, le nombre de taxis qui est là, ce n'est pas tout le monde qui peut trouver un déplacement par jour. Parce que nous, on ne peut pas payer par mois. L'avion vient en retard. Et si on paye comme ça, là, et puis nos voitures seront en panne parfois. Parfois, il y a d'autres qui ont des problèmes et ils ne viennent pas. Et si on dit à la personne de payer 1 million, ça c'est autre chose. Notre doléance envers le directeur, le nouveau directeur, c'est de lui pardonner de nous laisser à 10 000 francs. Institué le 23 juillet 2022 par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à travers un communiqué rendu public, la journée civique de l'assainissement général est à son 11e mois. Depuis son officialisation ce samedi 6 mai, les opérations de nettoyage ont eu lieu dans la commune de Matoto. Ces opérations n'ont pas connu une grande affluence des citoyens et des autorités. Et pendant ce temps, Conakry reste encore très sale. En Soubaïlo Baldé pour le compte-rendu. Pour cette nouvelle journée d'assainissement, les autorités de la mairie de Matoto se sont mobilisées au terrain de football de Bessiapor 1. Sans une grande mobilisation des citoyens, Mamadou Batos Camara et ses hommes sont passés à l'action à l'aide d'une machine tractopelle et des camions. Moi, je pense que ce n'est pas forcément dit que les citoyens sortent nous accompagner. Chacun est libre de travailler chez soi. L'essentiel est que chacun rend son cadre de vie très propre. Donc ce populisme-là, on doit se départir de ça, mais que le concret soit sur le terrain. Ces journées civiques de l'assainissement général ne connaissent plus une mobilisation des citoyens et même des autorités. Pour le président du conseil de quartier de Bessiapor 1, l'assainissement reste pour lui une priorité pour le bonheur de la jeunesse de son quartier. Bon, on a sorti le terrain parce que c'est la place de la jeunesse. Quand tu es en santé, c'est la jeunesse. Et encore, ça trouve auprès d'une école. D'une école où les enfants sont là, apprendre la formation et la propriété. Donc nous voulons aussi que tout soit mêlé à la propriété. Certains citoyens rencontrés estiment que cette journée d'assainissement n'a produit aucun effet sur l'insalubrité dans la capitale. Regardez, vous pouvez voir, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici, il ne travaille pas, il n'est pas enlevé les ordi. Il faut voir les ordi ici. Depuis 3 jours, les ordi, il est là. Il n'est pas enlevé ça ici. Il faut voir, il y a l'embouteillage. Il a réduit la route, l'autoroute. Il faut voir. L'autoroute, il s'est réduit comme ça, là. Il va venir prendre aujourd'hui ici. Sinon, ce n'est pas bon. Institué depuis le 23 juillet 2022 par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ces journées d'assainissement ne mobilisent plus les citoyens de la capitale. En attendant une solution pérenne, Conakry reste l'une des capitales les plus insalubres de la sous-région. Après des démarches pacifiques qui sont restées infructueuses auprès des autorités guinéennes, la Fédération internationale des étudiants, doctorants, stagiaires guinéens de l'étranger ont entamé une série de manifestations depuis quelques jours. Dans le préavis de grève, ils réclament le non-paiement intégral des bourses d'études, donnant 7 mois pour les boursiers en spécialisation à Cuba 2020 à plusieurs autres revendications. Reportage Mamaïsata Tawel Kamara. Concernant ici la grève que nous avons entamée il y a quelques semaines, toujours on n'a pas eu de suite favorable par rapport au non-paiement de nos bourses. Je vous dis, madame, l'étudiant guinéen souffre vraiment au Maroc. L'étudiant guinéen souffre et il continue à souffrir encore. Ça fait maintenant 11 mois que l'étudiant guinéen n'a pas eu la chance d'obtenir ici nos bourses. Et c'est très grave, c'est très très grave. Et comparativement aussi aux autres communautés et au Maroc, on nous appelle même à nos bourses nos droits, parce que l'État guinéen a oublié ses promesses. Actuellement, beaucoup d'étudiants sont en examen déjà, et ce que nous comptons faire après cela, nous comptons descendre ici à l'ambassade après les examens. Nous comptons vraiment sortir, aller dans le lieu de l'ambassade pour ici manifester vraiment et nos cris de cœur. Parce que c'est la seule solution que nous pouvons entamer. Entamé depuis le 30 avril, le pèlerinage national des fidèles chrétiens catholiques de Guinée se poursuit à Boufa dans cette démarche de foi. Les fidèles chrétiens multiplient des prières intenses depuis des jours. Le parcours du pèlerin, c'est une démarche de prière à laquelle tous les fidèles sont invités à prendre part. À quoi consiste le parcours du pèlerin? Élément de réponse avec notre envoyé spécial, Lansana Fofana, depuis Boufa.
le sanctuaire martial des Bofa aux couleurs de la veillée culturelle. Ici, archevêques, fidèles pèlerins et artistes se sont retrouvés pour communier ensemble dans une ambiance festive. Cette cérémonie est l'une des étapes du pèlerinage. Elle permet aux fidèles de se détendre après plusieurs jours de prière. Durant le pèlerinage national de Bofa, tout n'est pas que prière. Après la prière, il y a le côté récréatif, le côté festif. Donc nous avons pensé à réserver ce temps-là pour le défoulement. Donc c'est ce qui fait que les artistes, à partir des paroisses ou les troupes indépendantes, se présentent, se font enregistrer pour être produits ou représentés ici à Bofa. Le gospel est le seul genre musical utilisé dans cette veillée. Sur la scène, les artistes et les troupes des différentes églises du pays se succèdent pour émerveiller les fidèles pèlerins. Mon Dieu, je te dis merci pour ta présence dans ma vie. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mon Dieu, je t'indice, indice, indice. Considéré comme le chouchou des fidèles chrétiens, la star ivoirienne K.S. Bloom a été l'artiste invité de cette année. Sa prestation a tenu les fidèles pèlerins en haleine tout au long de la nuit. Les fidèles pèlerins sont séduits par l'organisation et la prestation artistique. Ça a été une très belle surprise et je crois qu'on a eu du plaisir. Les jeunes, de voir leur capacité artistique, de mettre en valeur leur amour pour le Seigneur, en fait, c'est ça qui me touche beaucoup. Cette année, ils sont encore des milliers de fidèles chrétiens à se mobiliser ici, dans la ville de Bofa. Au cours de leurs différentes prières, ces fidèles continuent de rendre hommage à tous les illustres disparus et aussi prier pour la consolidation de la paix dans le pays. Ces derniers jours, les cas d'incendies d'origine électrique deviennent récurrents dans la capitale guinéenne. Elles sont nombreuses, ces maisons à Conakry où les normes électriques ne sont pas respectées, entraînant des surchauffes au niveau des installations qui engendrent le plus souvent des dégâts dans les domiciles. Qu'est-ce qu'il faut pour être à l'abri de ces incendies? Quels sont les modes de prévention pour lutter contre ces cas? Élément de réponse, c'est avec Mariam Bouibaï. Il n'est un secret pour personne que les installations électriques à Conakry laissent à désirer. La vétusté de ces installations, les coupures intempestives de courant provoquant des courts-circuits sont aujourd'hui à l'origine de nombreux cas d'incendie dans les foyers. Pour le président de l'association Autoprévention et Secourisme de Guinée, il faut respecter les normes d'installation électrique. Les gens qui construisent aujourd'hui, ils préfèrent acheter des matériaux, mais s'il s'agit de faire de bonnes installations, ils ne le font pas. Et surtout, la norme qui est là, il faut qu'on accepte de respecter la norme. La norme n'est rien d'autre que NFC 50-100. Vous avez des appareils, il faut que ça soit adapté à vos maisons. Mais si vous ne le faites pas, vous faites des mauvaises installations, vous achetez les fils qui ne sont pas de qualité, vous ne faites pas la mise à la terre sur votre bâtiment. Donc il faut savoir que vous, vous vivez avec les incendies. En plus du respect des normes d'installation, il est aussi judicieux pour cet agent en autoprévention de prévenir avant tout coupure de courant pour éviter les courts-circuits. Avant, s'ils voulaient envoyer le courant, on informait. Parce que nous-mêmes, nous devons savoir qu'on doit maintenant... Dès que le courant part, il faut faire sauter ton disjoncteur. Parce que vous avez vu, les disjoncteurs que nous avions à la maison, ce n'est pas calibré. Normalement, si vous avez un disjoncteur, il faut que vous soyez capable de faire votre disjoncteur en fonction de la capacité de la maison. Donc, le disjoncteur en plaçant, il faut que ça soit à l'image de la capacité de la maison. Et si vous ne le faites pas, ça veut dire que même il y a variation de courant, vos équipements ne... vont pas être sécurisés. C'est pourquoi j'ai parlé de la mise à la terre. Donc, dès que le courant part, il faut mettre votre rallonge sur off. Il invite les autorités à creuser des bouches d'incendie dans les quartiers pour éviter aux sapeurs-pompiers d'être en manque d'eau quand il y a un incendie, ce qui est souvent le cas.
Il est le fabricant du véhicule Sabali, une marque guinéenne. Roger Loi, étudiant en mécanique générale à l'école régionale des arts et métiers de Séguéri, a fait sa voiture avec du matériel de récupération. Le coque, par exemple, est obtenu à partir des fûts de pétrole. Le véhicule Sabali peut parcourir une distance de 80 km et le réservoir a une capacité de 20 litres d'essence. Mamadou Tanouba est allé à sa rencontre. Suivez. Génie créateur guinéen fait parler son talent. Roger Loi, étudiant en mécanique générale à l'école régionale des arts et métiers de Siguiri, est un passionné de l'automobile depuis son jeune âge. Roger est le concepteur et fabricant du véhicule Sabari. Il a fait cette voiture avec du matériel de récupération. Il est fabriqué à partir des fers et les tôles. Je les ai assemblés pour... Plutôt, c'est les matériels récupérés, quoi. Donc c'est comme ça que je l'ai fait qu'aujourd'hui, cette véhicule avec moi, je roule dedans. Bon, cela m'a coûté très cher parce que c'était pas du tout facile. Tout ce que j'achetais, je notais. Et ça m'a coûté à une somme franc guinéen de 8 millions. Supposons maintenant 8 millions, parce qu'il y a quelques poussières au-dessus, mais on considère maintenant 8 millions casse. L'étudiant utilise son véhicule pour se rendre à l'école et pour ses courses personnelles. Dans la mise en place de cette innovation, le jeune Roger a rencontré assez de difficultés, notamment celles liées au manque de moyens financiers et logistiques dans la fabrication de Sabari numéro 1, Made in Guinea. Ça n'a pas été du tout facile, parce que si ça ne va pas, il faut sortir, aller faire des petits contrats pour avoir un peu de... pour pouvoir performer ce qui est avec toi. Et le travail aussi n'est pas dit que parce que tu as l'expérience, mais si tu n'as pas le courage, c'est pas facile. Donc je me suis demandé, j'ai dit bon, dans ce cas, je gagne 100 000, je divise à deux, je paye pièce 50 000 avec une pièce, 50 000 reste avec moi, 20 000 reste comme le prix de taxi, 30 000 là, reste comme l'économie de base encore. Et dans ça, je me suis évolué jusqu'à arriver à un certain moment. Bon, j'ai acheté des matériels nécessaires pour pouvoir performer ce qui est avec moi. Roger Loi compte mettre son génie créateur au service du peuple, mais il lui faut un soutien et encadrement des autorités et des bonnes volontés. Sport football pour finir ce vendredi au stade du 28 septembre de Conakry. Dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, dans sa première édition, le Oréa AC s'est hissé en demi-finale face au Wakria au niveau des séances des tirs au but grâce aux exploits de son portier Moussa Camara-Pimpin. Reportage à Saint Diallo. Une première période riche en intensité de jeu entre l'Oréa AC et le Wakria AC. Cette situation n'a pas permis aux deux formations d'atteindre leurs objectifs. Manque d'efficacité et de lucidité dans les plaques tournantes de cette première explication. Malgré cela, Ismaël Kaba, entraîneur du Wakria AC, se réjouit de la prestation de son équipe. Je ne vais pas dire que mon équipe n'a pas bien joué. L'équipe a bien joué tactiquement et techniquement. Je vais la féliciter. Notre objectif, c'était le championnat. On a fait trois matchs contre le Grand Oréa. Premier match, phase aller, match nul, retour, on a gagné. Aujourd'hui, ils ont gagné tir au but. C'est pas mal aussi, c'est le foot, ça arrive. On va se concentrer. On a eu l'occasion, mais on n'a pas été réaliste. Franchement, mais ça, on va corriger ça. Mais je vais remercier les enfants et les adversaires. L'Oréa s'est revenu en seconde explication avec plus de fougue en perforant la défense adverse. Les mêmes scénarios de la première explication se répètent. Toujours ce manque de réalisme du hack. Malgré cela, le Wakria AC a gardé sa sérénité défensive. Kanfolila Pebangoura, entraîneur du Oréa AC, est conscient de la bonne prestation de l'adversaire. Les matchs de coupe ne sont pas faciles. Deux fois, on confond vitesse et précipitation. Je pense qu'on n'a pas su être calme, comme je le demande souvent. Nous devons garder la patience, aller doucement. Et c'est ce qui a fait qu'en première mi-temps, ça a été très lourd. Mais ensuite, on n'a pas été réaliste. Et je pense tout le match, d'ailleurs, on a eu quelques occasions. Mais ce qui est beaucoup plus... ce qui est à remarquer, l'équipe a quand même un peu fatigué. On a joué trop de matchs. Mais après...
En deuxième mi-temps, on a toujours prouvé la hauteur du club. Une rencontre pleine de suspense du début jusqu'à la fin, avec un compteur nul de 0 but partout. Mais finalement, le dernier mot est revenu au rouge et blanc de Matam au niveau des séances de tirs au but grâce à son portier Moussa Camara qui a fait sortir le grand jeu en repoussant 3 pénaltys. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon site de programme sur KVTV.